Bonjour Vaudé. Nous sommes sur A Plague Tale Requiem. Il y a des voix de qui en VF? Je ne sais pas du tout, tiens. Je me suis pas renseignée. On reconnaîtra peut-être. A Plague Tale Requiem, suite de A Plague Tale Innocence par le studio Asobo. On est parti. On est parti. Niveau difficulté normale, machin, c'est bien tout ça. Je vais peut-être cacher ma cam pour l'intro. Peut-être. Sous un nouveau soleil. Je sais pas où aller ma cam, je vous promets. Oh, ça donne trop envie. Voilà. Désolé. Oh, écoutez-moi ça, quel kiff. Hugo. Le gamin qui a des pouvoirs. Et la grande sœur qu'on incarne. J'ai bien fait de baisser la musique. Saleté de rance. Vous êtes trop rapide pour moi. Allez, le sorcier, attrape-nous. Hey, ralentis. Tu vas épuiser notre méchant. Ça, c'est ta tour. Elle est maléfique. Ça lui arrive d'être fatigué. Il faut que je retourne à mes études. Oh, fais un effort, le voyage a été très long aujourd'hui. Pitié, ma mère nous a dit de tout faire pour l'épuiser. Sois fort, sorcier. Le combat est loin d'être terminé. Votre mère va se demander où on est passé. La route a été longue. Tu as le droit de te dégourdir les jambes. Oui. On va rester en contemplatif, là. C'est vraiment fait pour, hein. Ce panorama est vraiment fait pour. Regarde ça. Ça semble être une suite quasi... très proche, en tout cas. Le gamin est pas beaucoup plus grand. Très bien. Allez, on court. Voire, il est pas plus grand. Je serais plus... Hugo, tu vas suer comme un bœuf. Avec la lavande de partout. C'est bon pour toi. J'adore ton nouveau chez toi. C'est un château. D'accord. Oh. Petite scène d'intro juste pour kiffer. Perfide, attaque mon château. Oui, et je vais te transformer en scarabée. Amicia, il est trop fort. Il faut qu'on se cache. Oui. Je vais compter jusqu'à 10. Oui, non, ils ont l'air complètement d'avoir le même âge qu'avant. Chercher roi Hugo et... Amicia l'Amazone. Évidemment. Alors maintenant, filez. Viens, Amicia l'Amazone. On doit trouver une bonne cachette. Bien, gardons-le à l'œil maintenant. Oui. On bougera s'il vient. 7, 8, 9, 10. Une cachette, ça? Il arrive. Qu'est-ce-vous, roi Hugo? Comme il dit, il arrive en parlant très fort. Il arrive. Lucas, perfide parmi les perfides. Je jure que je ferai un ragoût. J'ai envie de prendre un bain de soleil, t'imagines même pas. Et pour cette vision est presque cruelle. Tellement tellement ça donne envie quoi. Je déteste l'hiver. Qui peut bien être caché par ici? Faut qu'on se cache longtemps. Votre peur va vous trahir. Oui, bah il a déjà fait l'intro, Infernalou, alors il regarde. Je vous trouverai de toute façon. Bah alors, on n'est pas derrière ? Bien, bien. Bon, je dois
repartir étudier maintenant. Lucas. Écoute, si je veux devenir alchimiste. Mais tu es déjà un alchimiste. Parti pooper, quoi. Je suis toujours l'apprenti de ta mère. D'accord, retourne à tes études. On va rester encore un peu. Apprenti de ta mère, là. À plus tard. Ah bon. Viens, allons voir le reste de ce château. Comme vous voudrez, mon bon roi. Je suis content que Lucas soit resté. Moi aussi. Sans lui, on ne serait pas ici. Ne courez pas, profitez. Ça symbole la province. Tu peux monter sur ces rochers ? Vas-y. Non ! Mais ne tombe pas. Je tombe jamais. Oui ! Oui, bien le sûr. Le roi Hugo patrouille sur les remparts de sa forteresse. Et qu'est-ce que vous voyez de là-haut ? Mon royaume ! Est-il prospère ? Il l'était, mais Lucas l'a attaqué. Non, prospère, oui. C'est le prospère forêt. Magnifique. Oh, une rivière, c'est la mer ! Patrouillons par là. Une rivière, c'est la mer ? Pour ce quoi, hein ? Très joli. Carrément. Alors ? Mon royaume s'arrête ici. Cette branche, c'est la frontière ? Oui. Pourquoi pas ? Attention, Amicia, l'Amazon ! Non, mais c'est trop beau, putain ! J'ai envie d'y aller ! Qu'allons-nous faire ? C'est quoi là-bas ? Reste à la frontière, écoule-les avant qu'ils passent. Ces oiseaux. Où je coule quoi ? Je regardais pas. Retourne à ton poste, Amicia, derrière la branche. D'accord. Ma puissante fronde est vôtre. L'armée du sorcier est en route. Je les vois. Nous sauverons votre royaume, majesté. C'est qui qu'il faut que je tape mon gosse ? Le gosse, là ? Un de moins. Ah, une visioto. Oui, continue. Voilà d'autres bateaux. La magie noire ne souillera pas ce royaume. Que de la basse magie. Oui, le roi applaudit. Qu'ils viennent, je les écraserai. L'envahisseur était en nombre. Mais nous l'avons repoussé. Parce que nous sommes la maison Ferune. Oh, c'est bon. Bonjour. Oh, bonjour. Non, je peux plus, ça range tôt. Par ici, j'ai entendu ta fronde. Oh. T'as pas entendu les hurlements du gosse, plutôt? Je peux jouer avec vous? Oui. Non. Mais qui es-tu? Elle répond que des trucs que je veux pas. J'habite dans le coin. D'accord. Nous sommes Hugo et Amicia. Tu sais tirer, Tona ? Évidemment que je sais. Chouette ! Je suis le roi et elle, c'est ma capitaine. Et on se bat contre l'armée. Ah, il y a un effet chelou du visage quand je tourne trop vite. Alors, engageons le combat. Peut-être que c'est pour imiter le... des trucs. Ouais, bah c'est la visée auto. Mais c'est des pommes de pin, elles sont immenses les pommes de pin, vous avez vu la taille ? Ouais, faut que je désactive aussi le flou de mouvement. C'est ça, ouais, t'as raison. Accepté. Faut que je vous laisse. J'ai du travail. Une réaction chelou. Oui, à la ferme de mon père avec mes frères. Est-ce que tout va bien? Je dois y aller. Salut. C'est bizarre. T'aurais été plus. Ça te bien qu'on entende un cri en mode. Oh, qu'est-ce que tu fais? Allez, en oui, route, majesté. Vampire. La guerre est finie. Suivons le cours de cette rivière. Mais pourquoi? On fait des trucs, je sais pas pourquoi. Bravo, capitaine! Étonnant! Et c'est sublime, oui, putain! C'est vrai. J'aimerais bien avoir un copain comme lui. Mais on s'installera bientôt pour de bon et tu t'en feras des amis. Tu es sûr? Dès qu'on saura comment tu vas. Ça pourrait prendre longtemps. Pas cette fois. Cette fois, c'est différent, je le sais. J'espère. On va devoir grimper. Cette fois, c'est toi qui me hisse. Quoi? Je plaisante, je vais t'aider. Et puis d'abord, t'es trop lourde. Oh! Comment oses-tu ? Un jour, je pourrai le faire. Oui, réaction très chelou, ouais, comme s'il se souvenait d'un coup qu'il avait en fait pas le droit de vivre. Ouah ! Ce château est immense ! Mais oui !
si j'avance dans le jeu, il n'y aura plus de soleil. On va rester au tuto. Et on va juste jouer dans l'eau. Laissez-moi, je fais un open world en Provence en plein été. Oh. Ça ferait pas un enclos Uber stylé là? Genre, rempart ici, les visiteurs qui sont en haut, petite rivière, la intérieur de la cour du château un peu en ruine, et là, chemin des visiteurs pour voir le bas. Et ce serait des. Ce serait quoi ici? Des loups? Je peux tomber? Non. Est-ce que de la pierre je peux tomber? En fait, je regarde un petit peu les décors, j'en profite. Trouver un jeu avec du soleil. Ah, mais clairement, hein, par contre, n'importe quel jeu avec beaucoup de soleil, je suis ravie. En fait, ça c'est con, mais là je regarde juste pour quand je fais mes décors dans plein zoo pour voir comment est placée la roche, les roches dans l'eau. Comment sont placées les roches dans l'eau et en bordure d'eau et tout. Voilà, j'apprends. Et vous voyez, ça c'est une erreur que j'aurais pas faite, c'est-à-dire les plantes qui sont à travers le rocher, ça je le fais plus à ça. Voilà. En bref, c'est tout. Oh, regardez cette vision là. Au détour de la rivière. Au détour de la rivière. Oh, c'est juste cette vue là. Putain, j'ai trop envie de me baigner. Mais je suis pas baignée dans la nature cette année. Oh, c'est fermé. Ils nous ont vu venir. Là, un passage secret. On va se faufiler. Bon plan. Oh, je sens le mal tout autour de nous. Pour le moment, je reste sans cas, moi, je suis bien. Allez, mon roi. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on entre en douce. Oui. J'ai la même vue à la pêche. Oh. Ah, mais est-ce que t'as le soleil aussi? Les troupes du sorcier ne doivent pas être loin. C'est vrai. Regardez cœur pour critiquer par rapport à ces constructions de planètes Zoé. Oui. Oh, punaise. Mais attendez pas. Tu t'es fait mal? Mais je veux rentrer maintenant. Je suis d'accord. Ça suffit pour aujourd'hui. Oui, Amicia. C'est une voix que je connais, elle. Hein. Il y a des habits et à manger. C'est mon gamin aussi, mais... On a cassé leur plafond. Ils ont peut-être entendu. Juste une petite fille. Soyons prudents pour l'instant. Une fille. La voix du gamin, mais elle... Tu sens ça? On dirait une cheminée. Oui. Elle est dans pas mal de jeux, cette voix. Vous l'avez pas senti, les petits gars là? Ce sont des ruches. Mais. Oh, c'est des ruches en feu! Je ne sais pas. Pas un bruit, on s'en va. Ça aussi, hein, pour Planet Zoo, ça m'aide. Hein. Vu qu'on fait un thème un peu horreur en ce moment. C'était peut-être un accident. Où sont les habitants? Y'a plus de soleil, y'a pas tout d'un coup là? Ok, faut que je descende d'où là? Ouais. Par là. Amicia. Oui, regarde pas. Oh putain! Que se passe-t-il? Vous êtes combien? Attendez, on voulait pas entrer sans permission. On est tombé ici par accident. Montrez-nous le chemin et on part. Mensonge. Je vous le jure. Je sais pas ce qui se passe c'est ici. C'est flippant. On n'a rien à voir avec tout ça. Mensonge. Vous êtes des voleurs. Je vais vous couper en morceaux. Non. Venez ici. Je sais plus comment je cours comme ça. Là-bas. Oh, non, non. Viens. D'accord. Là.
L'animation, elle a mis du temps à se terminer. C'est là que c'est la meilleure. Oh, ça, on le savait. Merci! Ah, waouh! Oh, c'est... J'entendais pas avoir ça dès le départ, comme ça. Non, cet homme par terre est le dernier qu'on ait eu. Bon, tue-les si tu les trouves. Il faut qu'on parte d'ici. Oui, chut, il s'en fout. Ouais, complètement, ouais. Par contre, en vrai, leur panier en guise de tronche. D'accord qu'ils voient rien. C'est cruel ici et bonjour, bonjour à toi, oui! Oh, on commence tout juste le jeu, effectivement. Il y en a sûrement encore aux alentours. Va aider les autres. Je me sens pas bien, Mathias. J'en ai rien à foutre. Il bougera pas. Oublie ça. Cherche. La boîte à outils. Ça va faire du bruit. Il casse à outils. Je te le dis. Quelle boîte à outils, je la vois pas. Pauvre cinglé. J'avais juste besoin de boulot. Et il faut que je sorte d'ici. RB, attendez. Du calme. La boîte à... Attendez. La caisse à out. Elle est où la caisse à out? Ah, c'est ça. D'accord. Ah. Encore quelqu'un qui se cache? Va-t'en. On se dépêche. On retourne à la charrette. Oh putain, putain. Oui, bah si elle est encore en vie. Partira dès qu'on arrive à la charrette. Il est où ce petit merdeux? Tu devais monter la garde. C'est ta faute tout ça. Il va falloir qu'on grimpe. Puis en silence. Tonin, ramène ton cul ici. Oh, Tonin, c'est le gamin, non? Te démolir. Oh non, c'est la maison de Tonin. Peut-être ouais. Qu'il n'est pas encore rentré. J'espère. C'est pas là qu'il faut monter? Genre je peux pas au moins emmener le gamin? Non, 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 j'ai mal compris, j'ai mal compris. C'est en face, c'est en face, c'est en face. Il va me voir. Bon voilà pourquoi il était chelou, ouais. Enfin bon... Non mais c'est surtout pourquoi il a eu un sixième sens de cambrioleur qui lui a dit tiens... on m'appelle, faut que je rentre. On a... C'est dommage qu'on n'ait pas entendu une voix au loin l'appeler. Ouais, ils ont pas touché à ce... Attends. Non mais vraiment je comprends pas leur panier, enfin leur masque. Leur masque en osier là, ils sont trop compacts. Tu respires zéro là-dedans. Oh non. Il arrive. Ouais. Faut détourner l'ennemi. J'essaye hein, je le fais. Je fais Y là. Mais je faisais Y. Bordel. J'appuie sur Y, j'ai spammé. Je suis où là? Pourquoi je reconnais pas? Je reconnais pas? Ah si, pardon. Au moins, ils ont pas touché à ce... Il arrive.
détourner. Bon voilà, là ça marche. On y va. Bah c'est le problème d'avoir des paniers en osier en guise de tronche, on voit pas bien. Oui, il faut qu'on fasse plus attention. D'accord. Il faut attendre cette porte, je dois détourner son attention. Où est Tonin? Je veux m'occuper de son cas avant que le père... Ah, ici à l'époque, ça pourrait marcher. Il doit se planquer quelque part. Il y a un gros freeze. Ah ouais, sur le live? Pas eu de gros freeze, moi j'ai pas senti. J'ai pas eu de gros freeze moi en jeu. Le QTE. Ah c'est pas un freeze, c'est juste un bug. Et le jeu ralentit à ce moment-là parce que bah c'est normal. Vu qu'il te laisse le temps de faire le tuto. Ok, ça détourne que dalle hein. Bon et dans sa gueule ça détourne là ? Oui, un bug. Ah oui, voilà. Non, parce que bon, si j'ai un fruit sur le live, faut me le dire. Hein. C'est que moi je le verrai pas forcément, alors c'est autre chose. Ouais, effectivement, un bug. Tout à fait. J'arrive pas à détourner son attention à lui. Il faut atteindre cette porte. Je dois détourner son attention. Mais comment? J'y arrive pas. Faut le détourner peut-être de l'autre côté alors. Ah les pots. Ah ça. J'avais pas vu. Mais parce qu'elle a... En fait il l'a pas dit tout à l'heure. Comme une ombre en plein jour. J'ai une hache. Je vous préviens. Maintenant profitons-en. Que les saints protègent. Ouais, je pense qu'il faut que je me mette en dessous, vite. Ouais ça marche. Les jambes elles dépassent un petit peu. Hein. C'est vrai qu'on sait pas, par où on sort là. Hein. Non, ils l'ont fermé. Y'a peut-être un autre chemin. Y'a un passage là. Oui, je peux aller de l'autre côté. Ah ouais. Ouvrir la porte. Oh, j'aimerais tellement que tu n'aies pas à faire ça. Oui, bah. D'accord, mais fais très attention. T'inquiète pas. Pitié, ne te fais pas repérer. Oh, je pensais que je jouerais le gamin. Moi je vois les cochons. Stop, arrête. T'es la plus grosse erreur de notre père. Mais je vais arranger ça. Arrête Hugo, reste derrière moi. Quoi? Mais quel connard! Il me fout dans la merde face à deux mecs qui ont des haches. On s'en va, mais laissez-le partir. T'entends ça Rémi? T'es avec ces voleurs? Non, on vient d'arriver. Écoutez, c'est notre faute s'il était en retard, je... Vous avez rien à faire ici. Rémi, occupe-toi d'elle. Et me déçois pas, compris? Mais, le garçon... Il a le bon âge pour apprendre. Vous auriez pas dû venir. Tu risques de le regretter, crois-moi. Tu chacasses trop. Ah! J'ai pas le QTE, là. J'aurais su utile, Hugo. Les rats! Vas-y! Oh, c'est stylé! Ah, j'aime bien! Petite mise en scène sympa, là.
Je vais apparaître quel côté là. Et je me mets là. Non, bah non, ça va être beau. J'ai pas envie en fait. Plus tard, plus tard. Bon là, au niveau des textures, je suis moins convaincue quand même. Il y a un phénix. C'est quoi comme oiseau? Non mais c'est pas un vrai oiseau ça. C'est complètement un phénix. Oui d'accord. Amicia. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Me fais pas de mal. C'est un piaf, hein. Où on est? Je me demande pas ce qu'il faut, j'en sais rien. Non. Oh non, ça recommence. J'ai besoin d'aide. Oh. Attends-moi. Oh. Je vais dans l'eau. Où est Amicia? Comment j'ai le peloton dans l'eau? Oh punaise, c'est si beau. C'est chelou, mais c'est trop beau. Bon, au loin, ouais, petit souci de texture, mais ça reste ultra giga beau. Non, t'en vas pas. Respire, respire. Mais bon, on va aller à gauche, hein. Où est-ce que tu vas? Je dois repartir. Je veux ma sœur et ma maman. Là où il y a le caca d'oiseau, c'est là qu'il faut aller. Peut-être qu'il sait où elles sont. Oui, elles sont peut-être par ici. Oh, j'adore. Je suis où? Amicia. Donc c'est ce qu'il voit quand il s'évanouit en fait. Et il doit à chaque fois lutter pour se réveiller. Il y a un petit délire comme ça. Je me sens pas bien. Non. J'ai mal. Un peu toutes ces couleurs, ça me rappelle un peu Ghost of Tsushima, c'était beau. Oui, oui, les images que j'avais vues du jeu, c'était bluffant. Enfin, c'était en tout cas très très doux. Effectivement, avec pareil, beaucoup de pétales qui volaient, le vent qui était très bien travaillé. Enfin, surtout les pétales qui volaient au vent qui étaient très bien foutus. Les pétales, les feuilles. Et les fleurs aussi, les plantes qui bougeaient selon le vent et c'était assez joli. Alors personne ne crie à part toi, hein. J'arrive. C'est ça. Mourir. Je veux pas mourir. C'est grâce à l'eau. Tu m'as sauvée. Merci. Est-ce que je peux revenir? Avec quelqu'un?
Ouais, bah moi dans mon rêve hier, il y avait une araignée qui montait sur la nuque. Et ben voilà, j'en fais pas toute une histoire. Merde. Tu te réveilles enfin. Tu as bien dormi? J'étais en plein rêve. Où est-ce qu'on est? Tu as encore rêvé de ton île? Oui, j'étais malade et un grand oiseau est venu. Il m'a sauvée. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Amicia? À la ferme? On jouait ensemble près de la rivière, tu te souviens? Mais tu t'es sentie très fatiguée tout à coup. Alors je t'ai portée sur le retour et tu t'es endormie. Ah, lui dis pas. Juste un manque de sel dans ton sang. Mais Amicia, on a manque fait de une sel, route, Hugo. On est tous fatigués. Mais la ville rouge est proche. On te fera examiner là-bas. Et nous rencontrerons un grand alchimiste de l'ordre. Tu te rends compte? Ils connaissent très bien la macula. Ils l'étudient depuis des siècles. Pourtant, personne n'est venu nous aider en Guyane avant qu'on prenne la fuite. Ils ignoraient que l'Inquisition s'en prendrait à nous. Ils sont prêts à nous accueillir maintenant. Eh bien, j'espère que ce sera un bon accueil. Une nouvelle du portage de Ghost of Tsushima sur PC, dommage. Seulement dans le sang du goût. Ouais, il était prévu. Ça concerne le monde entier. Et ça pourrait tout changer. Non? Et puis là, il m'intéresse. Pardon. Il y a un petit peu. J'aurais baillé toutes les fondées. Soyons prudents. Voyons voir. Bonjour. Bonjour. Putain, je me suis dit qui dit bonjour, je me suis dit je suis. On cherche une fille et un garçon. Tiens, moi, je suis sur Discord. Qu'ont-ils fait exactement? Ils se sont introduits sur une propriété. Ça a mal tourné et ils ont tué des hommes. Le plus jeune frère a tout vu. Oh, c'est terrible. J'espère que vous trouverez les coupables. Je l'espère aussi. Il s'agit de mes neveux. My nephew. Il faut partir maintenant. Oui. Navré, mais nous avons une longue route à parcourir. Bonjour. Ce ne sera pas long. Le garçon, c'est eux. Viens là. Non, non, attendez. Non. Toi, rattrape-les. Ne la laissez pas filer. Let's go. Je sais que t'es quelque part par là. Montre-toi. Patronne. Oh, elle est restée dans le chariot. Avance. Reste baissée. Non. Elle était juste là. Elle doit pas être loin. Ouvre l'œil. Ouais, allez chercher dans les chiens. Attention, c'est une teigne. Elle pourrait être juste à côté de toi. On a de la compagnie. Le chariot, ils ont besoin de toi. Hugo a besoin de toi. Bon, ils ont dû descendre. Dépêche-toi, à couvert. Attention, tu peux le faire. T'as vu comment ils ont dévoré Mathias et Rémi? Comment on se débarrasse de monstres comme ça? Faudrait essayer de leur couper la tête. On appellera un prêtre si besoin. Continue. Je voulais prendre des pièces, je me suis dit, oh, peut-être que je peux prendre des trucs. Oh, musiquette! Et fais un bisou. Super. Ça n'a pas marché du tout. Je suis bien caché là. Je suis bien caché là. Ah là, je suis bien caché là. Et douce, oui. Mais j'ai pas une biquette, tu fais un bisou. Je fais comme ça. J'ai des cailloux, c'est la panique ça. Tiens, je vais tuer le feu avec mes cailloux. Ah! Espèce de fou, tu restes en feu. Tu vas mourir. Paf, il est mort. Allez,
Le jeu il me dit d'aller là, alors j'y vais. Je sais plus comment m'accroupir. Ils sont vivants. Comment je m'accroupis? Ah comme ça, punaise. Oh, oh la vache. Attendez. Voilà ce que tu mérites. Non, j'allais contrer. Oui, ça n'aurait pas dû arriver. C'est pas très sympa. Oh merde, je cherche la merde, j'avoue. Là, j'étais engrainée par la musique intense. Écran blanc, par contre, c'est vraiment pas sympa. Il est où, je suis droite là, il me saoule. Iguino. Non. Ah non, tout simplement ça. Où tu vas? Je l'ai fait deux fois, hein. Elle vise drôlement bien la petite. Hugo! Il respire. C'est le choc. Passe son temps à pioncer celui-là, hein. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle regarde ses mains? Ah, puisqu'elle tremble. Je me suis dit, mais y'a pas de sang, y'a rien. Eh ben, quelle intro ? Écran blanc dans la gueule ! Nouveaux arrivants. Alors cette intro, bon sympa. Sympa. Nous voilà enfin arrivés. Les gens sont gentils ici. Personne ne nous attaquera ici. Et très jolie. Cette ville est sous la protection du comte de Provence. C'est un seigneur très très puissant. En tout cas, c'est magnifique ici.
Un peu en ruine, quoi. Mais j'aime bien les ruines, moi. Eh bien, Magister Vaudin m'a dit qu'il allait préparer une maison pour nous. Une maison toute entière ? Oui. L'ordre est très ancien. Il possède des maisons et beaucoup d'autres choses. Ils ont construit le laboratoire de ta mère, et même le château d'Ombrage, tu te souviens ? Oui. C'est gentil de nous donner une maison. C'est parce que tu es très important. Salut, petit Dan. Elle va adorer le premier, mais moi, pareil. Sa Majesté nous permet-elle d'entrer dans la ville à ses côtés ? Non, viens juste de faire l'intro. Je le permets. Et on cherche protection un petit peu sous l'égide d'un bah, du comte de Provence, apparemment, que la mère connaît. Gibier, charcuterie, poisson frais, venez pêcher ce matin. C'est une fois. T'as un marché. Merci. La maison est située sur les hauteurs de la ville. C'est pour ça que deux de ces modos sont vieux. C'est compris. Et sois prudente surtout. Alors, il y a quelque chose qui te plaît ? Enfin bon, là, hein, faut pas que ça sente le formel non plus. Il y a sûrement plein d'autres choses à voir. Oh, c'est mignon. Non, c'est très mignon. C'est vraiment super mignon. Eh bien, tu as envie de voir quoi ? Je veux tout voir. Ah, oh, cette ambiance, ça donne envie quoi, elle joue. Oh là là ! Fraîchement tiré, tous ces vins et toutes ces liqueurs sont fabriqués avec des plantes de nos collines. Oh, j'adore l'hypocras. Laissez-moi réfléchir. Moi, je voudrais goûter de l'hydromel. Salut, cochon. Yandroti, goûtez-moi ça. La chute d'FPS, ouais, je trouve que c'est un peu... Faut que j'enlève le flou de mouvement. Désolé pour l'écran blanc. C'est pas là. Si. Ah voilà. C'est moins fluide, hein, je le sens. J'aime bien la réaction de Loi qui va se cacher, qui se vénère. Regardez ! Bon, elle fait un peu d'awak, mais elle est très rigolote. On entend pas les cigales ? Si, je te promets, on s'est entendu de fou quand on était dans les champs. Oh, là, il est trop beau ce cheval. Si, on a très bien entendu les cigales. Dès que le jeu s'est lancé, on les a entendus à fond. Mais là, on est un peu au bord de mer, alors il doit en avoir moins. Mais c'est vrai qu'on doit les entendre un petit peu. Le comte Victor d'Arles vous souhaite la bienvenue à la foire annuelle de la Saint-Jean. Découvrez les produits de notre région et d'ailleurs au marché. Achetez du poisson à la criée et testez nos jeux d'adresse. Première partie offerte. Demain a lieu la foire aux bestiaux tant attendue. Les enchères vont aller bon train. Bonne Jean, le comte Victor d'Arles vous souhaite une excellente foire de la Saint-Jean. Tous ces poissons. On pourra revenir avec mère acheter de quoi dîner. Ah oui, on achètera plein de choses. La criée va bientôt ouvrir. Tu ne veux pas y aller ? Non, j'attends la foire aux bestiaux de demain. Ouais, bah il faut des sous, hein, d'où ils ont des sous. Bon, je sais que la famille de base, elle est fortunée. Mais au tout début du premier, on se fait... Bah le château, il se fait retourner et tout, donc est-ce qu'on a encore des sous ? Je sais pas, ça. Hein. Un petit canard ! Tu as vu ? Ah. Quoi ? Les gens d'ici. J'ai vu le lac, oui. Il sourit. Ah. Tu as vu ? C'est le lac d'ici. Oh, regarde là-haut. La maison avec la girouette. C'est la nôtre. Juste au-dessus du marché. Ah, c'est... Ouais. De quoi ? On a une maison ici ? Superbe. Brosse et peigne de Florence. Essayez donc. Ah, on Madame, peut... Et si vous changiez de coiffure ? J'avoue. Merci, elle me plaît bien comme ça. Oh, tant mieux. La chevelure d'une dame est un précieux trésor. C'est bien dit, oui. Tes cheveux sont très bien comme ça. Mille merci, monsieur. Ce vin. Un
cadeau pour votre père, peut-être? Non, il est mort. Mais il aimait ce vin. Ah. Alors c'était quelqu'un de bien. Oui, en effet. Merci. C'est dégueulasse ta table, mec. Regardez, tous les meubles sont vraiment magnifiques ici. Et j'avais une armoire comme ça dans ma chambre. Oh, enfin, ils ont l'air déjà cassés. J'allais me cacher dedans. C'est vrai, oui. Un cistercien, le meilleur. Regarde les couleurs. Imagine les vêtements qu'on peut faire. Regarde avec ça. Des fleurs. Vous fleurs pouvez en être sûr. Vous avez une préférence. Regarde. Des soucis, des primes vertes. Oh, tu connais ton herbier, toi. Comment? Je connais que les fleurs. Ma maman m'a appris. On les garde dans un livre à la maison. Veux-tu en acheter dans ce cas? Merci, mais nous aimons les cueillir dans la nature. Vieille habitude. Ok, merci pour les infos, Grisou, sur le portage. Au revoir. Oui, viens. Allons voir le reste. Le village, c'est là où mon PC a le plus pleuré. Ah, ok. Bah ouais, je sens que de toute façon, c'est moins fluide. Après, ça va quand même. Mais bon, j'ai une grosse config maintenant, donc... 4 caisses achetées, la 5ème est gratuite. Et c'est un gros ton. Ce macro est si frais qu'il bat encore des nageoires. Il faut surfing de luxe. Premier choix. On te file direct au même. Non mais c'est vrai que j'avais pas compris qu'on avait un manoir, enfin une grosse maison là ici. Dis, on peut partager ma chambre si tu veux. Tu n'en veux pas une à toi? Je sais pas. Mais bah, comme ça, on pourrait. Je pense que ta grande sœur, elle aimerait bien être peinarde. Oui. En fait. J'adore cet endroit. Moi aussi. Oh, il joue de la musique. Je vois rien. Ah, t'approches pas d'aussi proche en fait. Et là, tu verras très bien, crétin. Ah, faut que je le porte. Hé, hey, j'ai une idée. Tu vas monter sur mes épaules, d'accord? Ah oui, s'il te plaît. C'est parti. Tout va comme tu veux là-haut? Oui, je peux tout voir. C'est des bordelais? Ah ouais? Tu reconnais ça aux couleurs ou à la musique? Ouais. Jamais été à Bordeaux. Cette musique est drôle. Le studio c'est Asobo. Et je crois que grâce au premier, ils ont effectivement step up. Ah oui, le studio, oui, bien sûr. Oh non, déjà. Oui, mère doit sûrement s'impatienter. Oui, bah voilà, à chaque fois, moi je dis c'est un studio bordelais ou toulousain. Je confonds toujours, bah voilà, bordelais. Oui, tout à fait, le studio bordelais. J'avais discuté avec quelqu'un qui bossait pour le studio, apparemment, c'était très cool. Enfin, en tout cas, il en parlait vraiment bien. Les gens d'ici, c'est comme s'ils ne savaient pas pour les mauvaises choses. Les mauvaises choses? Oui, tout ce qui se passe dehors. Je pense qu'ils savent, mais ils se sentent en sécurité ici. Toi aussi, tu verras. Bon, je vais te reposer un moment. C'est vrai que ça aurait pas trop de chance qu'on soit à Bordeaux, là. Qu'on se dépêche. J'avoue. J'ai hâte de voir la maison. Attendez, je réponds à un message. Excusez-moi. Hop là. Je me demande si elle est grande. Moi, j'espère qu'on a des vrais lits. En Provence. J'espère qu'on voit le marché. Yo, Morphus pur. Une chambre de roi, bien sûr. Bien sûr. Quelqu'un est fatigué. C'est ça notre maison? Ah, on va loger en tout cas. Hey, vous êtes là? Comment c'était? Ils ont tout ici. C'est vrai. Ouais, c'est sympa, on a parcouru toute la ville là depuis le petit port là-bas. C'est sympa. On a besoin d'herbes fraîches.
Oh punaise, il y a un feu balèze là-bas, c'est là d'où on vient. Regardez, je crois qu'on peut appeler ça chez nous. Oui, chez nous. Je n'ai pas dit ces mots depuis un bout de temps. Je suis content qu'on soit venu. Je crois que quelqu'un a besoin d'une sieste. Je suis pas fatiguée. Je suis pas fatiguée. Bien sûr. Rentrons voir l'intérieur. C'est notre porte. Oh. Ça a l'air calme. Et il fait moins chaud ici. C'est beau. Putain, j'avoue, c'est trop beau. Vous êtes prêts à entrer? Oui. Ouais, passe devant. On y est, Hugo. Notre nouveau chez nous. Viens, allons jeter un coup d'œil. Oui. D'accord. On verra plus tard. Bah mais si, on va l'emmener dans une chambre quand même. Hugo, il est épuisé. En haut, le lit est prêt. Merci. Allez, viens mon petit Loire. Il va bientôt retourner jouer comme ça, on sera au même point. Bah d'autant plus que je vais pas pouvoir jouer demain parce que ce sera RP. Tu dois venir, Amicia. Et jeudi, je suis pas sûre non plus. Venir où ? Donc voilà, tu pourras avancer large. Sur l'île. Oula, ces styles, ils sont trop bizarres. Tu seras guéri aussi. Guéri ? Oui, ce serait bien, c'est vrai. Mais elle aussi, elle a un souci, je m'en rappelais pas. Je vais faire joli rêve cette nuit. Oh oui. Mais en même temps, ça va me rendre triste en me réveillant. Oh, mais rêver de ces décors, là, je veux bien. Tu réfléchis trop. Parfois, il faut simplement se fier à son intuition. Je sais, mais... J'ai du mal à comprendre la logique. La matière obéit aux lois de la nature. Ouais. Et la macula aussi. Ah oui, je dis, c'est Vampire Survivors, oui. Simplement tout humain. À fait, tout à fait. Peut-être que je ne suis pas doué pour être humain. Mais si... C'est même pour ça que tu doutes. Mais comment ça, elle aussi, il faut qu'elle soit guérie de ses traumatismes ou elle a vraiment une maladie ? Amicia ! Il a fait un cauchemar ? Merde. La macula. Il se fait maculer, quoi. Ce qui s'est passé aujourd'hui a dû la réveiller. Nous avons eu 6 mois de répit après le deuxième seuil. Mais l'équilibre de son sang est très fragile. Amicia, pars avec Lucas. Magister Vaudin est quelque part en ville. Trouvez-le et dites-lui de venir dès que possible. Tout de suite. Amicia, je sais. Nous serons prudents. Enfin bon, elle a raison quand même de s'équiper. À cause de ces fermiers. J'aurais jamais dû... Oh ! Ce n'est pas de ta faute. Comment tu peux en être si sûr ? Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe dans son sang. La macula évolue. Elle fait passer le porteur par différents seuils. Et ce Magister Vaudin, il peut vraiment l'aider ? L'ordre étudie la macula depuis des siècles. L'écran, il est dégueulasse. Si eux ne le peuvent pas, je ne sais pas qui le pourra. Il y a des croustaches. Seigneur, protégez-le. Je parle pas du chat, parce que vous êtes adorables. Pourquoi Vaudin ne s'est pas déjà présenté ? Je pense qu'il préfère rester discret. L'ordre fonctionne comme ça. Quelqu'un le connaît sûrement. Demandons autour de nous. Là, un garde. Je vais lui demander. Bonjour. Pardonnez-moi. Savez-vous où nous pourrions trouver le magistère Vaudin ? Je connais un messire Vaudin, mais pas de magistère. Allez donc voir les fleuristes au marché. Il me semble qu'il leur rend visite de temps en temps. Merci. Bien. J'espère que c'est fluide hein, pour vous. C'est évident. Il ne peut pas utiliser publiquement le titre qu'il porte au sein de l'ordre. Nous sommes passés devant une fleuriste tout à l'heure. C'est quelque part du côté du marché. Non, mais je rentre dans le marché parce que j'aime bien. Tu es sûr que tu sais où est cette fleuriste ? On pourrait peut-être demander. Bah, elle est là. Il est pas très grand marché. Hein. Rebonjour.
Oh, c'est encore vous. Parle de tâches. Vous cherchez des fleurs pour le petit. En fait, oui, il y en a sur l'écran. Je crois que c'est un de vos clients. Les tâches sur l'écran. Client de mon mari. Les herbes médicinales, c'est plutôt son affaire à lui. Ah, mais Martin devrait se trouver près de la fontaine. Dites-lui que je vous envoie. Il porte une tunique brune. Une tunique brune. Merci pour votre aide. Comme de florist. Comment on dit Florist-setter. Trouver le mari de la fleuriste. Elle a dit quoi? J'écoutais pas. Je vais aller par là. Espérons qu'il nous aide. Il le fera. Bonjour. C'est pas par là. J'étais trop occupée à essayer de traduire fleuriste en anglais. C'est votre femme qui nous envoie. Ah. Oh, bonjour monsieur. Je dois nettoyer tout ça. Je suis occupée. Ce n'est pas pour elle. Je suis très très mal. Lui. Mais il est occupé. Et moi non plus d'ailleurs. Écoutez, mon frère est très malade. On doit le trouver immédiatement. Oh, d'accord, d'accord. Je ne sais pas exactement où, mais je crois qu'il habite près de la reine, là-bas. Et ce n'est pas moi qui vous l'ai dit, hein. N'ayez crainte. Merci. Bien. Pas terrible acting, là. Je suis occupée. Ce n'est pas moi qui vous l'ai dit. Se rendre à la reine. La reine là-bas, mais il ne m'a pas montré où elle était. Mais je l'ai vue. Elle est là-bas. Ah oui, oh, c'est beau. Le quartier de la reine. Il y a beaucoup de maisons. Ah, mais le quartier de la reine, c'est en un mot. Du grabuge dans l'air. Je le sens. La reine. Oui. C'est pas là. Reine. Quel taudis. J'aurais dû y penser, oui. L'ordre est riche. Que fait un magistère dans un endroit pareil? Il se cache, sans doute. Oui, sans doute. Mouais. Elles font n'importe quoi, les oies. Les animations sont dégueulasses sur les oies. Amicia. Quoi? Ce symbole sur le mur. L'ordre. Oui. Il est là. Défense d'entrée, l'arène est fermée au public. Et pourquoi donc? Parce que le comte de Provence l'a ordonné. Maintenant, circulez. Écoutez, j'ai vraiment besoin de passer. Ça ne fait rien. Viens, on va faire le tour de l'arène. Oh, il faut aller dedans. Ne perdons pas de temps avec des soldats. Jetons un coup d'œil aux oui, puis ta fronde, c'est bon quoi. Hein. Désolé. Il y a une porte oh, Anan là... oui. Je fais un bisou. Voilà, j'ai fait un bisou. Alors, prête à enfreindre la loi? Wow, j'ai tué tellement de mecs. Tu es tellement de gens, si tu savais, gars. Alors, je regarde pour vous si c'est à peu près fluide. Ah, ça a l'air d'être, ça a l'air d'aller. C'est quoi des écrans incurvés, des gamers? Bah, j'en ai un, légèrement, mais c'est très chouette. La morsure, oui. Mais c'est pas un immense. Ils les ont laissés mourir. Alors tout va recommencer. Ça a déjà commencé. Hugo, on l'a amené ici. Allons trouver Magister Vaudin. S'il n'est pas déjà mort. Débloquer le trophée, bisous aux animaux. Ouais. Comment ont-ils pu les laisser pourrir ici? Ces gens ont l'air... Débloquer le trophée Herpès. Venir détonner à mon tour. Mais évidemment non. Comment personne n'a pu remarquer leur disparition? Différence générale. What? Sans doute. C'est glauque. J'ai vu d'abord le cadavre du cochon. Et ensuite le cadavre de ça. C'est glauque. Ça doit fouetter. Hein. Mais ça doit puer de fou quoi. Là, un autre symbole. Bon, il n'y a plus qu'à entrer. Les symboles vont nous mener à lui, tu crois? Bah Genre, il fait tout ce chemin à chaque fois? Il y a forcément un moyen de grimper. Ça pourrait servir. Je vais t'aider. Oui. J'ai pas vu où était le passage, en fait. Attends, on va arrêter, puisque j'ai pas regardé. Là-haut, d'accord. J'avais pas vu la mère et son petit. Ouais, c'est chaud, hein. Il doit éviter les malades. Lucas, si tous ces gens ici ont été mordus, ça veut dire... Pas forcément. Un malade aurait pu l'amener à l'intérieur de la ville.
pitié, non. Chut, qu'est-ce qu'on fait? Et ça m'arrive souvent, ça, hémoglobine d'arc. Je le connais pas, je le jure. Espèce de... Oh non. Il a un casque, je ne peux rien faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Prends un petit casque, on s'est mis casque. Soyez discret et évitez les affrontements directs. Tu es seul, j'ai tout mon temps. Tu ferais mieux de te mettre à table. Pitié, laissez-moi. Je m'en vais. Cette brute n'est pas un soldat, mais il en a. Voilà. Je m'arrête là. Ah, j'aime bien. Merci, ce sable. Si jamais je vous attrape. J'ai vraiment aucune logique dans mes actions. Je mets deux petits coups, j'attends un peu, puis je m'en vais. Non, t'as rien vu, t'as rien vu. Bon sang. Mais non. J'ai repéré des intrus. Mais on non. Est ok. Et bim. J'essaie de courir, mais elle veut pas. Ah! Oh, tu peux vomir. Oh, mais grave! Oh, ils sont tous malades! Là-haut, on dirait qu'on peut rentrer par là. Trouvons un moyen de monter. Oh, punaise! Ça, c'est un moyen de monter. Par contre, des fois, elle marche extrêmement lentement alors que je ne veux pas qu'elle marche. Oh, petit cochon! Je peux pas m'approcher. Je vais faire un bisou. Il y a une sorte de moitié de chariot ici. Mais il n'est pas assez haut. Je pense qu'il déplaçait les corps avec. Alors. Bon bah. Cette cage là-haut semble être de la bonne taille. Ouais, avec les cadavres elle dessus, est ouais. De cadavres. Oh, ne regarde pas. Nickel. On va le pousser. Il faut le tirer. C'est un massacre. C'est nous qui l'avons amené ici. On les a condamnés. La Guyenne est toujours touchée. Ça a déjà commencé à se répandre. Oui, mais ils auraient dû la voir venir. Ça n'aurait rien changé. Mais comment ça, c'est nous qui l'avons emmené ici? Genre, il y avait pas ça avant? Je comprends pas en fait. Pourquoi elle arrête pas de dire c'est nous? En vrai, la peste, elle a l'air d'être là depuis quand même extrêmement longtemps. Là, on est là nous depuis un jour. Il y a déjà tellement de morts. C'est vrai, mais aucun de ces corps n'a été dévoré. Regarde, j'ai l'impression qu'il recensait les morts. Ouais. Ils ont oublié un couteau. Oh, il est coincé. Allez. Ça, c'est cool, ça. Continuons par là. On fait malade des bisous débloqués. Des lames contre des gens. Je vais devoir faire le premier pour comprendre. Mais je l'ai fait, mais je... C'est silencieux et rapide. Je l'ai fait aussi à sa sortie, donc ça fait quelques années maintenant, je m'en rappelle pas de tout. Hein. Il aurait peut-être fallu que je le refasse avant, mais je connais quand même l'essentiel, alors ça m'embêtait de le refaire. C'est juste qu'il aurait peut-être fallu que je voie un let's play, au moins des cinématiques, juste. Ça aurait peut-être été pas mal ça.
autre symbole. Bien. Mais je vais peut-être me faire ça demain un petit peu. Si ces gens sont tombés malades, ça veut dire que certains ont dû être mordus. Je n'ai vu aucun signe d'attaque. Mordu par les rats ? Des soldats renégats. Ça ne me dit rien qui vaille. Renegade. Des corbeaux. L'archer. Hein ? J'ai vu ? Mais non, c'est impossible. J'ai dû rêver. T'as tiré sur un cadavre ! Imbécile ! Imbécile ! Ils ont bougé au dernier moment. Arrête de jouer et ouvre l'œil. Ou c'est toi qui... C'était quoi ça ? C'est chiant ça ! Oh, quelle perte de temps. Et voilà que je perds la tête maintenant. C'était quoi ça ? Quoi encore ? J'ai vu quelque chose là. Ça marche pas trop ça. Et il pense que c'est la maculée, la maladie du petit qui a fait ça. Mais choquant dans le flou comme toi. Ah ouais, toi aussi t'as fait le premier. Il y a des trucs pas clairs, ça. On vient à peine d'arriver, de toute façon. Genre, ça aurait pas de sens que ce soit nous. Enfin, là, on voit bien qu'il y a des tas de cadavres qui sont là depuis genre des jours et des jours. J'ai vu un truc bouger. Satan. Comme sur des rollers. Tout est calme. Tout est calme. Ouais, il a pas du tout vu le gamin. Non. Merde. Nous sommes repérés. Ouais, bah pourtant je fais tout, hein. Je fais tout ce qu'il faut, hein. Y'a pas une porte ici ? Non. C'était quoi ce foutu bruit ? Oh non. Merde, pas le moment. Je voulais pas faire ça. Alors, ça t'a plu ? Easy. Tiens, des cailloux. Ils nous ont détectés. Ah non, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. J'ai plus de poignard, merde! On se cache. Attendez que je vous mette la main dessus. Mais où ont-ils bien pu se cacher? Ouais, le premier, je m'en souviens aussi dans les grandes lignes, mais ça, du coup, ça m'étonne qu'ils pensent vraiment que c'est la Macula. Enfin, je sais pas. Escalader ? Ah. J'ai dû rêver. Je trouverai rien ici. Faut aller là. Il faut que j'ai son attention. Autant aller voir de ce côté. Aucun signe. Je vois. Par ici. Arrêtez-les. Arrête. J'en ai marre. Allez, 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 non,
mais t'es retourne pas. T'es retourne pas. Pourquoi c'est retourné? Oh là là, mais pourquoi c'est retourné quoi? Cette table d'invi. Un peu ça, oui. Mais eux, je sais pas comment faire. Hein. Ah là, comme ça. Pas encore trouvé Vaudin. Le malin que. Ici. Bon sang. D'accord, en fait, ça fera ça à chaque fois. Ouais, d'accord. On laisse tomber, laisse tomber. Y'a un truc que je pige pas. Je vais pas du tout faire ça. Vraiment pas du tout. J'essaie de courir, mais punaise, des touches à chaque fois. Pas clair, hein. C'est pas clair. D'accord, ouais, non, ça marchera pas en fait. Le jeu veut vraiment pas que j'y aille comme ça. Ouais, peut-être toi qui m'ont pas lâché, ouais, t'as raison. Faut que je trouve un truc. Ouvre. Ah non, suivre les symboles de l'ordre. Faut que j'attende. Oh, faut que j'aille là-haut. Peut-être ça, je peux escalader là ? Non. Ça doit être les éprouver. Mais je comprends pas en fait, ils arrivent de partout, genre... En fait, ce checkpoint il m'arrange pas du tout. Les symboles de l'ordre, mais je les vois pas les symboles de l'ordre. On va faire ça, hein, on n'a pas le choix. Il va y rester un petit 45 minutes là. T'es nu. Je suis même pas pour toi, j'agro toute la map, c'est insupportable. Ils ont tous des casques, donc leur front ne nous aide aucune utilité. Impossible de les trouver. Tu t'es bien caché, toi. Essaye de le tuer. Ah merde, ça le tue pas. Oui, très discrètement. Mercenaire, toute cette vermine qui se met toujours en travers de notre chemin. Le chaos gouverne nos vies. Ces gens en font partie. Et tu apprends à faire avec. Je le vois bien. Tu as été plutôt discrète là-bas. Oui, eh bien, mieux vaut épargner des vies. Ah,
La manière dont vous faites face aux situations avant... Ah, punaise, influence à l'évolution des habilités d'Alicia. C'est marrant ça, ça veut dire que là j'ai débloqué de la prudence. Mais j'aurais préféré être agressive. Hein. Moi je préfère débloquer ça, c'est plus mon truc. Mais là ils avaient tous des casseurs. Des cadavres. C'est quoi cet endroit? Un hôpital? Bah c'est là où il y a des morts comme partout depuis le début. Ici. Ça explique tous ces malades. Ah bah il y a le même. Je ne m'y habituerai jamais. Personne ne le devrait. On les a déjà vus eux. Brutal. Ah bah c'est... Bah oui mais bon, que voulez-vous là, c'est plus rigolo aussi hein. Faites qu'on y soit enfin. Ouais bon, je sens mal moi. Pourquoi tout le monde veut nous tuer? Ah oui, c'est des renégats. Le symbole. Il est dans cette tour, c'est sûr. Sûr? Lucas, on va avoir un mal fou à traverser tout ce chaos. Mais c'est attendez, c'est l'arène tout ça? C'est juste une arène ça? Dans la plus haute tour. Oh, on se croirait dans Tomb Raider. Dans Lara Croft Tomb Raider. Être dans le feutré, c'est bien aussi. Oui, enfin. Moins rigolo. Hein. Mais je l'ai été là. Non, j'étais super feutré là. Fais très attention. J'étais feutré comme un stabilo. La compétence table magique, oui, c'est vrai, il y a un petit peu de ça, oui. Oh bah dis donc. Si tout s'écroule alors qu'il y a deux gamins, on est mal barré. Tu peux te lever? J'essaye. Ne me frappez pas. Calmez-vous. Nous ne sommes pas avec ces hommes. Vous habitez ici? Oui. Oui, j'ai tout plein de cadavres. C'est ça qu'on entend. Oh, c'est les rats, c'est encore pire. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont là. Ne lâchez pas la torche. Tant que vous la tenez, ils ne peuvent rien vous faire. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Venez avec nous. Nous devons remonter à la surface. Le soleil nous protégera. Calmez-vous, vous ne risquez rien. D'accord. Un truc qui va y tomber dessus. Oh bah non, mais il y en a encore plus. Oh wow. Pour le coup, ça devient liquide. Hein. Ah, j'ai oublié la touche. Un peu mal barré là. Ouais, j'ai un peu oublié la touche. Je suis en train d'appuyer sur l'autre. Charmant cet endroit. Ah, faut aimer les rongeurs. Oh mince! Oh non, on tape ça! Voilà. Let's go! Sympa d'inverser la caméra, j'aime bien. Et faire un bisou au rat aussi. Je fais des bisous à tous les animaux, moi. Non, on a de la lumière. On est en sécurité. Tout va bien. Tout va bien. Calme-toi. Je vous arrête tous des bisous. Tu crois qu'on va s'en sortir? Il le faut. Soyons très prudents. Je le savais. Je t'avais dit qu'ils étaient ici. Ils sont
des millions. Comment? Comment peuvent-ils déjà être aussi nombreux? Ah ouais. Hugo, ils sont là pour lui. Grosse route pour les rats. Ah, ça grimpe un rat, hein. On le ramène à Hugo et on s'en va. Ouais. Attendez, je vais, je vais allumer ça aussi si je peux. Faut que j'aille par où, par là-bas ou par là-bas? Non, par là-bas, je pense. Non, c'est d'où je viens, c'est d'où je viens. Pardon, pardon. Ça saute aussi, oui. Mon matériel. J'ai tout perdu en tombant. On fera sans. Oui. Surtout ne fais pas tomber cette torche. On peut escalader ce mur. Mais je dois avoir les mains libres. Pas le choix. Je n'arrive pas à croire qu'on abandonne la torche. Il y en a une autre de l'autre côté, on la voit. Ah, d'accord. Il va vite se consumer. Oui. On reste en ligne droite. Oui, la plus droite possible. Oui. Je fais ce que je peux. Lucas, à la nuit tombée. Oui. Rien ne les empêchera de sortir. Oh, c'est avec le bordel à la nuit tombée, ouais. Ah, j'avoue. Absolument se réfugier plus en hauteur. La flamme tient bon. Pour l'instant. Pour l'instant. Ah. Bien. Un bras zéro à la fois. On peut le faire. Tout à fait, tout à fait. On va le faire. Là, une échelle. Ne vous inquiétez pas, je connais le video game. Ce bras zéro là-haut. Oui. Ah, faut que je lance. Oh, la lumière n'atteint pas l'échelle. Cet anneau a l'air plutôt fragile. Je le vois. Ah. Oui, beau travail. Allons-y, vite. Des petits pas. On se sent mieux. J'ai besoin de reprendre mon souffle. Fais vite. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'aime beaucoup tous les petits yeux comme ça. Ça fait des petites lucioles rouges. Non, en vrai, ça fait une ambiance très, très inquiétante. C'est sympa. Vraiment ? Une poutre ? C'est l'unique chemin. Oui, vraiment une poutre, quoi. Doucement. Waouh. D'accord. Surtout, prends ton temps. Évidemment. Je le savais. Est-ce que ça va? T'as une corde là, envoie-lui la corde. L'échelle, il faut que tu montes, vite. Oui, il fallait que ça m'arrive à moi. Il faut que je l'aide peut-être. J'ai besoin d'aide. Oui. Ils en ont après moi. Reste calme, tu es en sécurité. Pour l'instant. Je ne t'abandonnerai pas. Tu le sais. Non mais non, je lâche, je vais recommencer là, je sens pas ça. Voilà. On recommence. On va aller jusqu'au bras zéro là-bas. Merci. Ah, j'ai
avant. Viens, gamin. Allez, courage. Et viens, gamin. Bravo! Arrête de me donner des sueurs froides. Avançons. On se rapproche de la lumière du jour. Peut-être qu'on se sera rapproché de cette tour. J'ai hâte d'entendre le plan du magistère Vaudin. Son plan a intérêt à être bon. Il le sera. Oui, enfin, il est peut-être mort, hein. Oh non! Me dis pas qu'on doit redescendre. Et si? Tu plaisantes? Non. Et l'état d'Hugo empire à chaque seconde qu'on perd ici. Bon, il y a le monde entier qui est en train de s'effondrer, quoi. Ah! Il lag. Il n'y a pas de rats? Non, mais ils étaient là il y a peu. Regarde tous ces corps. Encore chaud. Ils sont proches. Attention. Bizarrement, je trouve ça moins dérangeant que les cadavres entiers. De voir juste des os ensanglantés. Je sais pas. En vrai. Des rails un peu, hein. On dirait un mont de charge. On pourrait sortir par là. Oui, puis un mammouth. Lucas, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu ça dans un livre. C'est un éléphant d'Afrique. Les Romains les capturaient pour les jeux du cirque. C'est énorme. Regarde ses dents. C'est irréel. Oui. Il y a suffisamment d'ossements ici. Trouvons la sortie. Ah, l'escalier là. Forcément, les rails vont arriver, on va se servir de ça. Oh, joli ça. Ça sent. Cette odeur, c'est du soufre. C'est une forge. Ça a l'air bien fermé. Continuons de chercher. Une manivelle. Voyons à quoi elle sert. J'ai besoin de ton aide. Bien sûr. Waouh. Ah, mais je comprends pas. Ah, faut que je tourne. D'accord. C'est une super idée. Oui, j'aurais fait un bisou à l'éléphant s'il avait été vivant, ouais. Tout à fait, ouais. Tout ce qu'on peut trouver. Bien, les alcôves sont ouvertes. On y trouvera peut-être quelque chose. Enfin bon, ça monte les escaliers, les rats, hein. Je te ferai signaler. On a besoin d'un agent de conservation, comme de l'alcool. Peut-être dans ce coffre. Bon, essayons d'occuper ces rats d'abord. Attends. Voilà. Mais ça ne suffira pas. Il y a eu un rat, quoi. What the fuck? J'ai même pas compris comment elle s'est fait avoir. What the fuck, sérieux, hein? Ah oui, ça ne suffira pas. Faut que je fasse tomber autre chose. Bah, je sais pas, hein. En fait, moi, je sais pas, hein. Ah, Y. Ne tombe pas. Ah, j'avais Merci, pas vu. Lucas. Pourquoi fallait occuper les rats? Ce qui est un prêt un peu. Non, on peut pas sauter dans le jeu. Mais voilà, j'avais pas vu ça. Qu'est-ce que je fous ici, moi, maintenant? Hein? Ah, là-bas.
Ça va leur plaire. Répugnant. Ah oui, d'accord. La voie est libre. Bien. Oh oui, bah oui, très libre. On croirait qu'ils n'ont rien eu à manger depuis des siècles. Bah oui, bah c'est pas facile d'être un rat. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il contient ? Des bouteilles d'alcool. Oui, c'est bien. Très bien. Reviens. On va faire un cocktail Molotov. En vrai, moi j'aurais tiré l'échelle. Et je l'aurais mise entre les deux là. Et j'aurais passé. Voilà, je serais passé comme ça, en mettant l'échelle là. Voilà. Bien. Il faut un autre élément et on pourra fabriquer de l'ignifère. Tu te souviens ? L'ignifère. Je l'avais oublié. Oui, c'est pour tirer des trucs. Des frondes en feu. C'est du soufre, c'est ça ? Oui. L'ignifère. Il y en a de répandus sur ces planches. Le coffre là-haut doit en contenir plus. Du soufre pur, ce serait parfait. Alors montons voir. Une manivelle. Il y a un monte-charge. Est-ce que ça va ? Oui, c'est le plus beau jour de ma vie. Évidemment, ça ne restera pas en place. Je peux t'aider ? Bonne idée. Lucas, occupe-toi de ça, s'il te plaît. Bien sûr. Bah tant mieux. En vrai, je sais pas ce que je fais. Perds du temps. Oui, c'est vrai. Faut que je fasse quoi ? Tu peux lâcher un machin. Hein. Je peux descendre, mais pourquoi c'est une bonne idée hein ? Ah, c'est juste pour mettre ça peut-être. Oui, d'accord. J'arrive pas à tourner. Je peux peut-être pas le jeter, mais je peux peut-être le mettre sur le monte charge. Je comprends pas tout. Oh putain. C'est quoi qui coince ? À ton signal. C'est bon, arrête. Naturellement. Il faut accélérer. Je m'inquiète pour Hugo. La tour n'est plus très loin. Je comprends pas, des fois la direction est très chelou de ce truc là. Oui, la prof ça fait un peu bugger. Et ces mercenaires ? Hey, une chose à la fois. Oui. Là pareil, hein, j'aurais juste pris l'échelle. Hein. Tu déplaces juste l'échelle d'un endroit à un autre quoi. Je veux dire, c'est pas des échelles fixées, quoi. En vrai. Tu avais raison. C'est du soufre. Oui. Enfin une bonne nouvelle. Bien. On a du soufre et de l'alcool. C'est une base idéale pour l'ignifère. Hautement réactive. Allez, mélange-les. L'ignifère. Ça faisait si longtemps. Ça sauve la vie. Lance-le sur ces braises avec ta fronde et espérons que ça marche. Mais là où il y a de la lumière au cas où ça part en couille. Oh, oh bon sang. C'était hautement réactif en effet. Merci Lucas. Cet ignifère sera plus qu'utile. Maintenant essayons de faire descendre cette plateforme. Je crois que j'ai vu d'autres manivelles dans les parages. Jetons un œil. Ok. Voilà nos manivelles. Là-haut, sous les arches. Oui. Essayons. C'est un peu con là-haut, on est d'accord. T'as des échelles classiques quoi. Tu te déplaces. Le principe d'une échelle en fait. Faut que je monte. Et maintenant ? Des cages. Ils gardaient d'autres animaux. Peu importe. Éclairons cet endroit. Je peu importe. Et en haut, pas ça.
encore des rats. Ce pot en terre là, il pourrait concentrer l'effet de l'énifère et le libérer à l'impact. Vas-y. L'énifère de Wingerberg. Ça marche. Oui. Ah, j'en ai déjà trop. N'importe quoi. Vite la pile. Lance-le pour allumer un feu très bref. On pourra traverser, mais on devra faire vite. Ok. Maintenant. Oui. Je fais vite, je fais vite. Très bien. Non, je fais vite, je fais vite. C'est facile. Il suffit d'avoir un pot. Ouais, c'est easy. T'es dans les rats, toi, mec. Il est parti où, mon mate ? Je peux pas te suivre, Alicia. Ah oui, bah oui, t'as des pop, t'es où ? Il est où ? Bon, c'est pas grave, on va faire autrement. Comment je fais pour changer de munitions ? Comme ça. Oui. Faut qu'on monte vite. Oh là. Allez, déplaçons. Ah, c'est beaucoup trop lourd. C'est à ça que sert la manivelle de l'autre côté. On a besoin d'être deux. D'accord. Reste là. Je vais m'occuper de l'autre. J'attends ton signal. C'est ça, Alicia. Espérons. Si quelqu'un m'avait dit qu'on aurait nos propres jeux du cirque. Si quelqu'un m'avait dit que le monde serait sur le point de s'effondrer à nouveau. Ouais, plutôt, hein. Toutes ces jarres. Toutes ces gens. Pour les spectateurs de l'arène. Certaines choses ne changent jamais. Voilà. Ok. Je vais t'aider, Lucan. Je vais trouver ce Vaudin. Oui, non, mais attends. Concentre-toi, mais concentre-toi. Ok. Ok. Les touches. Je refais encore. Voilà. Voilà. La manivelle maintenant. On fait descendre ça et on file d'ici. C'est oui, bon, mais attends. J'y suis. Attends. On va faire plusieurs choses d'abord. On va faire ça. Ensuite, je vais faire ça. Reste vite, je vais manger à plus. Bah, des bisous. Voilà. Ça, c'est bien ça. Alors. Oui, ça marche. C'est incroyable. Merci, Seigneur. Bah, pas vraiment. On y est. À ton signal. Maintenant. T'as entendu ? Le frein doit être en train de céder. Enfonce la plateforme. Ah, d'accord. Ça va faire des guillis dans le ventre. Comment on a fait ça? Avec énormément d'habileté et de patience. Un peu de la loque aussi, hein. Ça recommence. Tu comprends ce que ça signifie? Oui, bien sûr. Mais on en a vu d'autres. Tu as vu comment ils sont chargés? Leur façon de bouger, ils sont plus rapides, plus agiles, plus intelligents. Mais on a réussi. De justesse. Trouvons le magistère Vaudin. Avec le soutien de l'ordre, nous ne serons plus seuls pour les affronter. J'espère vraiment que tu as raison. C'est parti. Pitié, dis-moi que nous sommes sur le bon chemin. Ouais, je sens la douille là avec le magistère. Hein. Désolé, oui, mais. La tour. On s'est un peu rapprochés. Ah oui. Hein. Un peu. Ah. C'est mieux que rien. On met tellement de temps à l'attendre, ce bordel là.
Atteint la tour sud. On est sûr combien là pour la VOD? Ok. Bon, on va peut-être pouvoir atteindre la tour. Avant de faire les deux heures, je sais pas. Signe des mercenaires. Espérons qu'ils ne le trouvent pas avant nous. Allez, dépêchons-nous. Cet endroit semblait plutôt agréable en fait. Avant la morsure. Oui. C'est vrai qu'il est joli le jeu. Un jardin potager. J'adore les petits détails qu'on voit partout. Et c'est très mignon. Même quand c'est un peu tristoun. Fais-tu ici ? Celui qui l'a planté ne la verra pas grandir. Hugo va l'adorer. Bah d'accord. Je vais la porter là. Comme avant. Ça te va bien ? Eh ben, merci. Continuons. Ajouter à la collection. Ah, va falloir peut-être cueillir des fleurs du coup. Ok. Pour le côté collection. Ah, j'avais pas vu ça. Un truc à fouiller là-haut. Je me demande comment le comte de Provence espère régler cette pagaille. Les gens ont l'air de dire qu'ils s'en moquent. Ils laissent son armée gouverner. Ce qui n'empêche pas ces mercenaires d'agir en toute impunité. Nous qui pensions être en sécurité. Non mais c'est... Enfin, il y a quand même une maladie affreuse. Faut faire quelque chose. Affreux. Ça c'est cool ça. Et ça c'est quoi? Un couteau! Il me faut des couteaux, bah oui, puisque je les laisse dans les cadavres. Ok. Oula! Petite chute, pardon, de FPS. Ouais, je pense qu'il va avoir un petit patch bientôt d'optimisation. Non, fallait pas que je remonte. Y a pas une entrée là? Ah non, je pensais. Bon, on va trouver un moyen de passer, alors c'est pas grave, hein. Ah bah là. Non. Ah bah mince, mais du coup, ok. Mais du coup, j'ai vu que des portes fermées et un couloir. Peut-être que j'aille là-bas. Peut-être que je peux bouger la planche, en fait. Oui, bah oui, elle est toute basique. J'avoue, j'ai même pas essayé. On est vraiment plus très loin de la tour. Un dernier effort. C'est vraiment grand. Il doit être là-dedans. C'est l'endroit le plus sûr, en tout cas. S'il a encore un tel pouvoir, ouais. Il pourrait sauver Hugo. Ah, si je peux me cacher... C'est un mauvais signe. On peut beaucoup se cacher. Donc, on attend qu'Arnaud arrive pour le débusquer. Dis aux hommes de se tenir prêts à envahir la tour. T'as pas entendu? On a perdu des gars. J'essaye de m'accroupir, mais j'y arrive pas. C'est bien. Allons attraper ce foutu alchimiste et fichons le camp. Nathan, Arnaud, c'est un ordre. Très bien, tant pis. Il est bien dans la tour. Et ils vont bientôt la prendre d'assaut. Lucas, c'est notre dernière chance de sauver Hugo. Oui, on doit atteindre le magistère Vaudin avant que leur chef n'arrive. Est-ce que je peux foutre le feu au gars? Et juste pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Hein. Allô. Oui, bah il arrive. Ah, c'était peut-être pas le bon moment. Ça va, on est caché derrière un poteau. Je suis pas super discrète quand même. Moi je me le ferais bien lui là.
merde. Qu'est-ce que c'est? Rien. On va se cacher. C'est heure, c'est heure. Non, c'est pas vrai. On est repéré. On va mettre dans le coin. Réveillez-vous. Cours. Cours. Terra, ils arrivent. Ils craignent la lumière. Je fais vraiment en mode YOLO total. C'est quoi ça? Non mais non, mais non. Enfin, on a d'autres trucs à faire quand même. On voit bien qu'il y a des rats partout. Je sais pas. Est-ce que vraiment... je sais pas, on peut peut-être être solidaire. Moi je suis super solidaire. Elle est où la tour? Elle est là. Bon. Je trouve rien ici. Pas de temps à perdre. Clairement. Moi je vais faire lâcher sa torche. Bon, lâche pas sa torche. Hein. Lâche pas sa torche, lâche pas sa torche. Ah. Quel détournement. Voilà. Hein ? M'emmerdait celui-là. Hein, c'est pas facile de résoudre des énigmes quand t'as quelqu'un qui t'embête quand même. Hein ? Donc je vais embêtant. C'est vrai qu'il faut que j'aille, hein ? C'est con ça, ça aurait pu m'aider. Par un looté ? Non. Je cherche mes touches, désolé. Les rats, ils pètent un câble là. What? Putain, ça fait une tour de rats. Ah, c'est rigolo. Je suis à la tour là, c'est bien. On y est. On est à l'abri. Tu t'en es bien sorti. Qu'est-ce qu'il y a? Vaudrin est quelque part ici. On a réussi. Ces derniers mois, sur la route, après tout ce qui s'est passé en Guyenne, Hugo a toujours été terrifié à l'idée que ça recommence. Mais tout était tellement magnifique et silencieux. Et alors, je lui ai dit que c'était peut-être terminé. Que le pire était derrière nous. On l'a tous espéré. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire? Que les rats sont de retour? Que la morsure tue par milliers? Que cette nouvelle maison qu'il adore agonise déjà? C'est au-dessus de mes forces.
serait le cas pour tout le monde. Mais nous ne serons bientôt plus seuls face à tout ça. Nous aurons les meilleurs alchimistes à nos côtés. Ça va ? D'accord. Regarde. Une vraie loge de l'ordre. Ouais, mais... L'alchimiste, tu savais comment résoudre le truc. Le magistère, il l'aurait fait. C'est ici qu'il va s'arrêter la première VOD. Bisous VOD!